Eh bien, salut YouTube, salut les abonnés, comment allez-vous les amis? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Days Gone, mon gros coup de cœur de l'époque à sa sortie. C'est vraiment un jeu pour moi qui est sous-estimé, clairement. Hein. Il a un gros potentiel, il est excellent, une histoire qui est vraiment très bien. Les hordes, elles sont juste incroyables. Ce jeu n'est peut-être pas parfait, je suis d'accord, mais il a d'énormes qualités. Il a donné une bouffée d'air frais dans ce qu'étaient les jeux de zombies, quoi. Enfin, clairement, oui, ils prennent des choses de plein de jeux, des choses qu'on a déjà vues, mais le tout ensemblé, ça donne un jeu quasi magnifique et quasi parfait. Du coup, alors moi je l'ai fini à l'époque, hein, donc là vous pouvez voir continuer. On peut continuer dessus. En live, on fera ça. Donc, je vais pas mettre continuer, mais en gros, nouvelle partie, c'est-à-dire je redémarre avec tout ce que j'ai actuellement. Donc, la moto telle qu'elle est, tout mon équipement, tout ça. En fait, on recommence tout, mais avec tout l'équipement de fin de jeu. Voilà, peut-être qu'on fera ça en live, excusez-moi, un de ces quatre. Mais là, pour l'heure, on va partir sur une petite aventure, une petite vidéo tranquille, où c'est qu'on va faire quelques petites missions par-ci par-là, et puis qu'on va se régalader, tout simplement. Et si je me souviens bien, les chargements me paraissaient quand même assez longs. Alors, je recule un peu parce que c'est l'été, chez moi il fait très chaud, et la Play, c'est vrai qu'elle galère un peu. Hein. C'est une slim, et je vais pas vous mentir, elle souffle. Elle souffle beaucoup, et du coup, ben voilà quoi. Simplement, je vois pas pourquoi je vais vous raconter toute une histoire. Et voilà, donc où sont mes bagues? Objectif, alors là, c'est ça. Est-ce que je dois me refaire toute la fin complètement? Où est-ce que. Cherchez vos bagues à Westland. Bah écoutez, on va aller faire cette mission, tout simplement. J'ai assez d'essence et tout. Oh putain, ouais, non, par contre, ça va être juste. Ça va être juste niveau essence. Je tenais à dire aussi, désolé si vous entendez le bruit du vent. Ou tout simplement le chien à ma mère. Ma mère, elle, quoi, c'est une horde? C'est au sérieux là? Oh merde! Fuck you shit, motherfucker! Oh merde, là par contre, je suis pas le fier là. Oh bordel de merde! Ouh! Oh il m'a espanté ce bâtard! Oh attends, une horde, ça c'est pas le moment de tomber de la moto, je vous le dis moi. On va devoir aller faire l'essence par contre. Ouais, ça va poser problème. Ah, il y a de l'essence ici, on va en profiter pour remplir la moto. Je vais pas avoir le choix. Ouais voilà, je vous disais, si vous attendez un petit peu le chien à ma mère couiner, c'est normal. On va dire qu'elle est partie, elle a pris des petites, donc c'est ce qui me permet d'avoir un petit créneau pour tout simplement vous faire une petite vidéo, tranquillou. Et du coup, lui quand ma mère s'en va, il est un petit. Il est tristouné quoi. Ouais, va niquer ta mère. Ok, ouais. Je vais essayer de trouver le temps. Terminé. Allez, dépêche-toi parce que je vois que c'est rouge là-bas. Il va y avoir des infectés qui vont m'arriver sur la gueule. C'est bon. Est-ce qu'il y a moyen que je répare? Oh, ah non, pas elle, pas elle. On se barre, on se barre. On se barre parce qu'elle, c'est l'enfer. Elle crée, elle ramène tout le monde. On n'est pas assez juste, hein? On est pas si juste. Il y a quelques petits lags aussi parfois, j'ai remarqué. Normalement, si je dis pas une connerie, il y a une horde par ici.
Dans ce coin-là, il y a une fucking horde. Je me rappelle plus trop. On va y aller tranquille. On va pas se presser non plus, éviter les accidents. Voilà. Ah, je vais devoir monter tout là-haut. On va suivre la roue, c'est plus prudent. Des fois, je prends des raccourcis, moi, et c'est une catastrophe. Allez, allez, allez. Le petit défaut de ce jeu, des fois, un truc un petit peu énervant, c'est une grosse perte d'FPS, en fait. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas la pro et que j'ai une slim, quoi. Et du coup, c'est vrai que parfois, il y a des grosses pertes d'FPS en moto, ça, quand on change d'environnement assez rapidement. Il arrive à certains moments que ça baisse pas mal, quoi. Bon, là, ça va, comme vous voyez, on roule pas très vite, donc du coup, ça peut aller. Allez, on va aller regarder tout ça. Et voilà. Parfait. Je le veux, ma chérie. Débloqué, personnalisé. Waouh, la moto, yes. Yes, good, 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 good. Donc, là, scénario ben, principal, je crois que. Ah non, je l'ai pas terminé. Ouais, bon, j'ai pas tout fini, bien entendu, mais on va aller ici. On va aller là-bas. Ça va pas être une partie de plaisir. Ah, c'est une petite vidéo détente, hein, les gars. On est pas là pour se prendre la tête. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir d'avoir une petite vidéo Days Gone. Je sais que j'ai un abonné qui apprécie vachement Days Gone. Du coup, je me suis dit pourquoi pas lui faire une petite vidéo tranquillou, quoi. Je tiens à dire aussi que le 17, on fera du Ghost of Tsushima. Le jeu est précommandé, donc ça risque d'être lourd, les gars. J'ai peut-être pas l'habitude de ce genre de gameplay, donc voilà, il faudra être indulgent. Mais on découvrira ça ensemble, je l'espère. Et puis j'espère que ça vous fait plaisir et puis que vous allez kiffer. Bon, en tout cas, il me tarde de mettre les doigts dessus. Clairement, hein, pas vous mentir. Allez, ouvre-moi la porte, saligo. C'est loin, non? Ouais, c'est à 3 km. Bordel de merde. Là, il est possible qu'il y ait une horde ici. On va faire attention, il est possible qu'il y ait une horde.
Ouais, bon, nique ta mère. Wow, c'est pas mal chaud là. Wow, c'est... La route elle est assez chaude ici. What the fuck? Non, 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 oh, non. Oh, c'est raccourci. Ah d'accord, je peux pas taper la petite branche. On dirait GTA, tu sais. Ouais, là ça va être moins rigolo là. Ah ouais, mais c'est bloqué ici. Ouais, merde. Alors je comprends pas, je ne peux rien faire ici. Je ne peux pas sortir le véhicule, je peux rien faire. Absolument pas. Là en gros je suis piégé. Voilà, je peux pas. Je comprends pas trop pourquoi. Ah, vous voyez par vous-même, hein. Je peux rien faire. Je peux rien reculer. Normalement, ce genre de véhicule, on est censé pouvoir le pousser en fait. Mais là, je peux pas. Normalement, je devrais être censé pouvoir le pousser pas via le devant. Mais là, ça marche pas. Regardez, il n'y a rien qui m'indique. J'ai aucune interaction à faire en fait. Absolument aucune. Et ça m'a fait pareil la dernière fois. J'étais de l'autre côté et je pouvais pas l'ouvrir. Et là, j'ai relancé le jeu depuis et je peux toujours pas. Donc c'est problématique ça. Est-ce qu'à moins que je me téléporte assez rapidement dans un coin ouais non non ce n'est pas possible. Et ouais j'ai pas nettoyé toutes les zones là-bas infestées. Ah si peut-être celui-là. Voyage impossible, pas assez de carburant. Oh fuck, j'aurais pu passer par là. Si si. Ok, j'ai repéré l'essence, est-ce qu'elle est loin de moi? Ouais mais ça m'a l'air chaud ici. Attendez, j'avais de l'essence un peu plus haut. On va aller jeter un petit coup d'œil, il te fait. Il me faut plus de carburant. Ah ouais, ouais, je suis juste au niveau du carburant, ouais, en effet. Je suis plutôt juste. Merde. Merde, je dois continuer à pied. Bon alors si j'ai de l'essence, mais c'est tout là-bas, ça va pas être une partie de plaisir, je vais traverser cette route. Alors ça vous voyez, pour moi c'est un des points forts du jeu. C'est-à-dire que si vous faites pas gaffe à l'essence ou quoi que ce soit, au bout d'un moment vous n'êtes plus qu'en moto en fait, vous allez devoir sortir. Là on peut croiser ours, on peut croiser toutes sortes de choses qui peuvent vous foncer sur la gueule, hein, clairement. Et du coup, vaut mieux faire attention, croyez-moi. Ça je peux pas l'ouvrir. Croyez-moi, par expérience, vaut mieux faire attention. On va essayer de courir un peu. J'aimerais pas trop croiser des loups infectés ou bien un ours infecté. Oh putain, c'est le train, il m'a espanté chez moi. Sa mère. Ah, il y a des cris bizarres. Ah, voilà, là il devrait y avoir des bidons d'essence. Vous voyez sur la carte, il y a des bidons me dessinés.
Merde, il y a eux. Il faut juste un petit bidon en fait. Voilà, désolé mec. T'étais là comme un con, du coup je suis venu pour t'aider. Faut juste un peu d'essence les gars, je demande juste un bidon, hein, c'est tout. On va pas prendre de risque, on va partir là-bas. Voilà, là au moins normalement, il y a de chances que ce soit sans risque. Il y a des chances bien entendu, ça veut pas dire que ce sera le cas. Oh merde! Ouais bah oui, si j'ouvre comme ça aussi... Ça peut servir. Allez, j'ai mon bidon d'essence, on se barre. La ferraille. On retourne à la moto tout de suite. Eh ben putain. Un sacré bout de chemin tout ça pour... T'imagines, ils me disent je peux pas maintenant. Ah vous pouvez pas parce que vous avez pas assez enlevé les infectés de cette zone. Fallait que je le fasse à un C4. Vraiment virer pas mal de nids. Pour être sympatoche. Normalement. C'est bon. Normalement maintenant ce bidon il restera ici à jamais. Voilà. On va monter sur la moto. On va aller sur la carte. On va aller là. Voyage rapide, yes. Ouf, ouais, parce que je comprends pas pourquoi c'est bloqué. Ce truc là pour moi il est bloqué. Alors je sais pas si pour d'autres c'est pareil, mais en tout cas pour moi ben, ce coin là il est totalement bloqué. Je peux ni reculer. Après c'est peut-être fait exprès hein. Peut-être que le véhicule je peux pas le sortir. Du coup ça m'oblige de descendre de la moto pour aller chercher tout ça, c'est fort probable. Ou faire un autre grand détour, prendre un peu plus de risques. Ça m'étonnerait pas que ce soit le cas quoi, en tout cas. C'est quoi cette musique de Horde? Oula, normal il y a cette musique quand tu as une Horde. Normal ça fait ça quand tu as une Horde. Bizarre. Très bizarre, très bizarre. Non, putain les bâtards, je l'ai pas vu. Ah bâtard, ma moto elle a fait un vol sa mère. Alors là les gars, tiens. Et tiens fils de pute. Putain ma bécane quoi, bande de sales enfoirés. Wouah mais elle est morte ma bécane. Oh bande de salopards de merde. Ah ben réparer le moteur, tu m'étonnes, désolé pour le train. J'ai le train qui passe pile poil maintenant. Oh, fenêtre ouverte hein, l'été, c'est obligé hein. Je suis désolé, on va se soigner quand même. Se mettre les diaphragmes. Putain j'ai vu le truc au dernier moment quoi, c'est vraiment des vicelards ces gens quand même. De sacrés vicelards. Voilà. Voilà. Un petit saut. C'est beau là aussi. Hein. Le jeu il est vraiment beau par contre. Hein. Graphiquement il est super beau. Les décors ils sont magnifiques. Waouh, ça fait un bail que je suis pas venu ici. Merci Jacqueline. T'es là pour ta moto? Ouais, je suis là pour ta mère. Ouais. Est-ce que c'est ici? C'est cet endroit, c'est quoi la mission que je dois faire? Que je me trompe pas quand même, que je choisisse pas autre chose. Retourner au Spring, retourner au camp d'Offspring et parler à Trucker, ok, Trucker, Mikulinski, ok, c'est elle, c'est cette madame là. Ben vas-y, pars. Je vais patrouiller un peu. J'ai besoin que tu pistes quelqu'un. Si tu continues comme ça. Pister quelqu'un, ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Larsen a trouvé une autre fille après que t'as amené Lisa. Elle s'appelle Rosalène.
Un tout petit brin de fil, mais on s'est dit qu'elle pourrait nous aider. Non, arrête. Je m'y mets tout de suite. Ok, donc. Là, tu te fais casser la gueule à côté. Elle est partie en mission de ravitaillement avec Alkaï et d'autres du côté du camp de réfugiés abandonnés du Nero. Tu le connais, je crois que tu y es déjà allé. Ouais, je vois lequel. Retrouve oh putain. Des drifteurs et des squatteurs ont été signalés de ce côté. S'ils la trouvent en premier. Ouais. Je verrai ce que je peux faire. L'autre, il s'est fait défoncer la gueule pendant que l'autre est en train de me parler, normal. Tout va bien, pour le meilleur des mondes. N'importe quoi. Ouais, je vais peut-être faire le plein, mon pote. J'ai justement de l'essence. Ouais, comment il a su, ce bâtard? Je dis, ouais, il me faut le plein. J'ai justement de l'essence, enfoiré. À plus. Ouais, ta gueule. J'espère ne plus te revoir. Attends, je vais t'ouvrir. Ouais, merci. Waouh, t'as pas vraiment le choix, je te prédire. De toute manière, c'est pas comme si t'avais l'embarras du choix, ma poulette. Ah là 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 là, ce bon vieil endroit. Ouais, ben je ferai ça plus tard. Waouh. Calme-toi, faire demi-tour. Allez, on passe par là. De toute façon, c'est pas comme si j'avais l'embarras du choix. Ça rend super beau quand même. Salut les bouseux. Waouh. Icon Saint-John à Salome Hot Springs. Toc, tu m'entends? Oui, Dick, je suis là. Ok. Je suis à l'endroit où la gamine a été vue pour la dernière fois. On dirait qu'une meute est passée par ici. Oh merde! Il y a peu de chances qu'elle ait survécu. Si elle est vivante, tu la trouveras. Oh bordel de merde! Oh putain, chili con carne. Allez, viens là ma grande, viens. Viens là ma beauté. Viens là ma beauté, je te dis. Voilà. Ah bah t'es un peu plus belle comme ça. Ça te va mieux, figure-toi. Wouah, sa race. Y'a pas qu'une meute qui est passée par là. Où il est, ce putain de nez? Il doit pas être loin. Bah ce putain de nid, c'est le mec. Oui, ce putain de nid, c'est juste devant toi en fait. Donc ce que je te suggère, allez, on va le cramer, comme ça sera fait. Allez, venez. Ta gueule. Ouais, c'est génial. Tiens, allez, sortez, c'est la fête à ma bite. Qui c'est qu'il y a encore? Qui c'est qui a commandé des balles à Noël? J'ai besoin de ça, ça j'en ai pas besoin, j'ai strictement rien à branler. Bon, nous on cherche l'indice. Là j'ai pas mal de trucs à ramasser, enfin pas mal, c'est les mecs, il y a juste un truc à la con. L'indice pour moi ça aurait été, ouais ça quoi. Ouais, wow, sacrément morflé lui. Ah là. Non? Ah là. Okay, voilà. Ah ouais. Ici. Il a sacrément morflé lui, c'est bien ce que je lui disais. Il va y avoir une horde encore. Ah ouais, mais là ils ont tous pris la race là. Oh bordel. La
fait, on a fait de la chair à pâté. Ah, c'est moche. Je dis pas qu'il faut que je monte. La meute. On a fait de la chair à pâté. Putain, quand ça fait longtemps que t'as pas joué, tu sais, je sais plus trop. Il va aller dans une grotte. Ouais, ben ton crit, je le garde pour toi, enfoiré de ta race. Est-ce qu'il faut que je monte là-haut? Je sais pas du tout. Est-ce que c'est ça? Eh ouais, ouais, c'est réfugié en haut. Ça aurait été intelligent. Pitié, non! Je viens pour te violer! Regarde, je suis pas avec ces connards. Tu vois bien que je suis un gentil, moi. Non! Non! Putain, mais je suis là pour t'aider. Tucker m'envoie. Tu ressembles étrangement à la 15ème personne que je sauve. J'ai dit que j'étais là pour t'aider. Non! Vous êtes avec elle. Le camp de travail. Non, je suis avec Tucker. Je fais des missions. Bon, ouais. Ils m'ont affamé. Je refusais de suivre les ordres. Alors ils me nourrissaient plus. Bah ouais, c'est un camp de travail, forcément. On travaille. Je suis pas une esclave. J'y retournerai pas, vous m'entendez? Je préfère crever ici. Ah, il y a d'autres camps. Okay, à la limite. Bordel. Comme tu veux. Il y a d'autres camps, à la limite. Pourquoi il la met pas dans un autre camp? Oh! J'ai presque tout. Ah ben j'ai presque tout. J'ai tout. Je suis teubé moi. Voilà. Bon ben, ce film est radical, hein. Tu te casses le cul à risquer ta vie pour une connasse qui te dit je veux mourir. Une belle vue quand même, hein, les gars. On a une belle vue. Et puis c'est long aussi. C'est même très long. Ah ça y est, j'ai cru que j'en finirai jamais. D'ailleurs une meute, ouais, je pensais que... Zup. Ils se sont vraiment fait défoncer par contre. On va ouvrir ça, allez. En espérant que je trouve des bonnes pièces. Ah, du PQ. Putain, c'était vraiment... C'était le corona avant l'heure ça. Ils avaient déjà prédit tout. Dans ce jeu. Attends, ça c'est pas le logo d'une horde ça? Bah si, ça c'est le logo d'une horde normalement. Trouver la horde, bah oui c'est ça ouais. Cherche-toi là ta horde. Moi je m'en mêle pas de ça moi. C'est un coup à finir en pâté, ça, cette histoire. Cette histoire de merde. Oh merde! Merde! Bordel de merde, pas maintenant! Ah. Ah, tout va bien, ça va, c'était juste un petit crash, tout va bien. Ah, ah ces Américains alors, hein. Des sauts comme ça, tout va bien. Ça devrait marcher. Bah oui. Trois petits coups de serrage de vis et puis ça y est, c'est reparti, seulement c'était comme ça en vrai. C'est vraiment magnifique ici. Hein. Ah oui, c'est beau ici. Qu'est-ce qu'il y a lui? Oh putain, c'est une belle merde elle. Enfin, coulo.
Bon, écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que ce petit épisode vous aura fait plaisir. Un petit retour sur ce bon petit jeu qui, pour moi, je le répète, est sous-côté. En tout cas, voilà, en live, NC4, on se le refera. On se refera au début, je recommencerai le truc et tout. Et puis, ça pourrait être fort sympa, en tout cas. Normalement, prochainement, je ne peux pas vous dire quand, mais si tout se passe bien, il y aura The Last of Us qui sortira. L'épisode sortira normalement demain, les amis. La découverte, donc je suis ultra pressé de tâter ce jeu. Le 17, on a Ghost of Tsushima. Donc là, on va avoir un mois assez garni quand même en jeu, hein, on va pas se mentir. Voilà, ça va faire du bien. Sans compter peut-être les petites vidéos Warzone que je vais vous claquer à droite à gauche. Voilà. Mais je pense que ça va vous faire plaisir. Je vous fais d'énormes bisous, les amis. Je vous dis ciao, ciao. N'oubliez pas. Si vous voulez meilleur, que Dieu et toi tu vous gardes. Allez, bisous.